Il ne l'avait pas en entrant. Je me demande ce qu'elle contient. Fais pas, ça va aller, Jill. Bon, toi tu montes la garde. Si le chat se pointe, tu sais quoi faire. Je reviens dans une heure. Pourrais-je le prendre par surprise depuis cet angle? Ça risque d'être compliqué pour l'atteindre. Évidemment, c'est le copain de Randall Lee. J'ai intérêt à faire attention. Lorsqu'ils me sont tombés dessus, il m'a semblé avoir la gâchette facile.
J'ai déjà refait le portrait d'un type à coup d'extincteur, mais ces trucs sont vraiment trop lourds pour pouvoir refaire le coup au type qui garde la porte. Que peut bien cacher cet endroit ? D'après ceci, l'entrepôt appartenait avant à une société d'import canadienne. Piège à rêve. Il est censé protéger les enfants pendant la nuit en capturant les cauchemars dans sa toile. Si je ne me trompe pas, il s'agit de bâtons d'encens utilisés lors de rituels de purification. C'est peut-être un totem Ojibwa. Du coup, l'animal du haut doit être une grue. C'est même pas crier. Je parlerai pas non plus. On dirait une pointe de flèche. Tout porte à croire que Jill est un Amérindien, et je suis quasiment sûr que la femme sur la photo est sa mère. Tu sais, quoi que tu puisses raconter, il n'y a qu'une seule personne qui te croira toujours. Ta mère. Ma mère n'a jamais cessé de croire en moi.
Pourtant, je lui ai donné bien assez de raisons de le faire quand j'étais gamin. J'ai fait n'importe quoi pendant toute ma scolarité. J'arrêtais pas de sécher les cours. Je ne sais pas comment ma mère a fait pour que je puisse continuer ma scolarité jusqu'à l'université. Et là encore, je ne lui ai pas vraiment donné de raison de croire en moi. C'est à peine si j'assistais aux cours. Alors forcément, je n'ai pas terminé de diplômé. Après, il y a eu Pearl Harbor. J'ai été mobilisé et envoyé en Europe. Je n'ai jamais été capable d'obéir aux ordres. Ils m'ont renvoyé à la maison. Décharge avec déshonneur. Le retour à la vie civile n'a rien arrangé. J'ai été traité comme un paria, un vétéran qui n'avait plus sa place dans la société. Pourtant, ma mère n'a jamais cessé de... Moi aussi, j'ai fait la guerre. C'est comme ça que j'ai rencontré Mitchell. Ils se sont servis de moi comme de tant d'autres de mon peuple. Et après, ils nous ont laissés à l'écart. La première fois que Mitchell m'a proposé de faire ça, je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'espérais parvenir à refaire ma vie. Mais j'ai fini par revenir vers lui, en rampant. J'aime pas ce qu'il m'oblige à faire. Et je l'aime pas, lui. J'aime pas non plus ce sale rat, mais celui que je déteste par-dessus tout, c'est moi-même. J'aime pas ce que j'ai fait à la guerre, et j'aime pas ce que je fais en ce moment. Tu sais ce que c'est que de buter un ami pour le bien d'une mission ? Mais ma mère, elle a toujours cru que j'arriverais à me racheter et à prendre un nouveau départ. Il est temps que je me consacre à ça. Numéro 3. Et si c'était Jill qui avait tué son partenaire Randall Lee sur ordre de Mitchell? Thank you.
N'aie pas peur, petite. Je voulais pas te faire peur, d'accord? Et te jeune, pas taper! Il était une fois, une très gentille petite fille qui s'appelait... Brunhilda. Bonjour, je m'appelle Brunhilda et je suis très heureuse. Dit Brunhilda. Et donc, Brunhilda, qui avait un très joli prénom... Vraiment très joli. Un vraiment très joli prénom, rencontra un jour une personne très spéciale. Oh, qui c'était? Un chat très rigolo qui s'appelait John. Je suis un chat très rigolo et je m'appelle John. Salut, John le chat. J'aime beaucoup les chats rigolos. Bonjour, Brunhilda. Comme tu es vraiment très gentille, eh bien moi, je vais t'aider... à préparer de délicieuses tartes. Ouais! J'adore les tartes. C'est quoi ta préférée? Oh, en voilà une question bien difficile. Oh... Mais, John le chat, c'est la question la plus facile du monde. Je vais te montrer comme c'est facile. Moi, ma tarte préférée, c'est... la tarte aux pommes. Wow, Brunhilda. C'est exactement ce que j'allais dire. John, Brunhilda, Freunde. Du schaue, ich regarde. Ok. Bonjour, Bernd. Dis donc, pourquoi tu portes un masque? Weil... Nous devrions peut-être sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, Bernd? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brunhilda? Ne penses-tu pas que... Thank you.